Salut tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Comme pour le voir, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 2 avec les Rois des Tombes. Donc, dans l'épisode précédent, donc je me suis débarrassé des nains. Donc j'ai pu sécuriser tous mes territoires. J'ai pris la cité surtout de Miraglagno, la dernière cité qui appartenait aux hommes lézards en Tilé. Donc maintenant, ils sont plus qu'en Lustrie, donc chez eux. Et j'ai pu faire la paix avec les hommes lézards. J'ai aussi fait la paix avec les elfes sylvains, histoire de ne pas me faire attaquer sur mes arrières. Voilà, plutôt devant, plutôt. Pour être un peu tranquille. Le problème, c'est que maintenant, je suis partout en contact avec les vampires. Et les vampires commencent à moins en moins, même de plus en plus, on va dire, à me détester. Et il y a de fortes chances qu'ils rentrent en guerre contre moi d'ici peu. Alors je vais faire en sorte que ce soit eux qui me déclarent la guerre et pas l'inverse. Histoire que mes alliés me suivent plutôt qu'eux. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur les livres de Nagash. Donc il me reste 4 livres à choper. Il y en a un dans l'Empire, donc dans le Vieux Monde, et les 3 autres sont de l'autre côté de la mer. Donc un en Ultuan, un vers Nagaroth et l'autre en Lustrie. Il va falloir que je cours pour aller les choper. Mon premier objectif, ça va être de choper celui-là, qui se trouve juste ici, là, dans près de la passe. Qui pourrait être assez simple à attraper. Alors hors caméra, je me suis amusé à équiper tous mes seigneurs dans les armées, que ce soit en armes, en armure, en talisman et autres. Vous voyez que mes réserves de Vascanop ont bien diminué. Je ne l'ai pas fait pourtant pour l'instant avec mes héros, parce que mes héros me servent hors des armées pour l'instant. J'ai juste équipé ceux qui sont dans mes armées. Et je le ferai si j'ai fait intégrer une armée. Pour l'instant, ça sert à rien du tout. Il n'y a pas de bonus pour les héros au niveau des armes et des armures. Or, les bonus ne leur servent à rien. Les bonus ne leur servent que pour les batailles. Alors, j'étais en train de diriger mes armées, puisque là j'ai tellement d'armées que je vais en laisser quelques-unes en retrait, on ne sait jamais hein, s'il y a des soucis. Surtout qu'il y a des villes, j'ai des villes ici encore dans le coin, donc il va falloir que je surveille mes frontières. Histoire de ne pas me retrouver comme un con avec toutes mes armées sur des territoires ennemis et sans plus rien chez moi. On va passer de tour. Donc on arrive bientôt quand même à la fin de cette série. Hein. Je sais pas combien d'épisodes ça va me prendre pour aller choper les livres. Si j'ai vraiment des grosses phases où il se passe rien, je ferai des coupes. Parce que bon, ce sera pas très intéressant, histoire d'avancer le plus rapidement possible. Et aussi de finir la série, parce que il est peut-être temps de passer à autre chose. Les vampires sont en train de rouler sur les elfes sylvains, c'est pas bon ça. Bon, les elfes sylvains le font pareil. Ils sont tous à armes égales. D'accord. Alors les mecs qui étaient tout là-haut là, c'est pas des rebelles en fait, c'est aussi une armée neutre. C'est des pillards, mais en fait ils se sont emparés de... J'avais pas du tout qu'ils pouvaient s'emparer de ville. Ils ont essayé de faire un traité de paix avec moi, mais j'ai refusé. Skyron. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? On va faire ça, déjà. My dynasty. Si, je vais avancer. Alors, cette armée va rester ici. Legions rise.
Non, putain, il passe par la mer par défaut là. Oh là là. Bon, bâtiment construit. Parfait. Ici, on va voir ça. Là, ceci. Ok. Ok. Et ok. Ah, je me disais bien. Il devait en rester un quelque part. Le royaume des bêtes, niveau 5. Ça, c'est très bien. Je vais avoir toutes mes villes à fond. Allez. Alors, bon. Toi, tu vas rester là. Ici. Eh, il me manque une unité là-dedans. Ah oui, d'accord. Ça, j'ai assez 6. Je peux en faire 6. Ça aussi. Et on va faire plutôt ceci. On est bon. Ok, ça va rester comme ça. Toi, tu vas avancer. Avancer, avancer par là. Non. Je veux juste faire du repérage. On va voir ce qui se passe. Je vais voir s'ils ont des armées qui se baladent. Open the casket of souls. Apparemment, ils n'ont aucune armée de ce côté-ci. Ce qui est très cool. Protect my vision. Bouge pas, toi. Hein. Reste là. Incantations of ruin. Très bien, ça. Bouge pas, j'arrive. You are not him. Là. Midway, salut. toi tu vas rester ici. T'as bougé, toi t'as bougé. Qui c'est qui me reste à bouger? Bon, au moins lui, niveau 40 là, il est en train de retourner chez lui. Bon débarras. Hein. Ah oui, à toi. Ok. Et à toi, c'est vrai. Toi, tu vas plutôt aller te déplacer par là-bas. Ok. J'ai toujours ces armées qui sont en train de se faire. Ok. Qu'est-ce que je peux rajouter ici? J'ai la cavalerie. Peut-être t'en rajouter un... Non, ça on a assez de ça. Je regarde. On va prendre ça plutôt. Est-ce que je... Non, je les ai pas en bas. C'est pas grave. Hop. Et je pense qu'on peut passer de tour. Ah oui. Je vais invoquer ça. Pour le mettre dans cette armée. Parce que j'ai plus de catapultes. C'est vrai que j'ai ces deux unités aussi qui pourront être intégrées quelque part.
Allez, faut que j'aille choper. Faut que j'aille choper cette armée neutre là, où qu'on est en train de se balader. Ça sera cool. Franchement, il y a couronne qui est en train de se faire assiéger par les Skyvens. C'est bien parce qu'ils sont en train de se rendre coup pour coup les armées ennemies. C'est pour ça que les vampires, je pense pas qu'ils vont m'attaquer tout de suite. En vérité, ce serait judicieux d'attaquer les vampires. Enfin, pour ma part, vu qu'ils n'ont aucune armée de mon côté, je pourrais les bouffer tout cru. Comme ça, ils seraient gênés attaquer les elfes sylvains. Parce que si ils détruisent entièrement les elfes sylvains, ils vont se retrouver avec toute la Bretonie, et ça va être très compliqué. Au moins, les tours passent rapidement maintenant. Faction détruite, tribu de la sanglante. Ok, c'était la tribu qui était ici, là, je crois. Where are my slaves? Oh oui. Open the Liberatis. On est là, on est là, on est là. Grand Necrotic, get my chisel. Bon, ça va, bloquer l'armée, c'est pas compliqué. D'un côté, j'ai vraiment envie d'attaquer les... Quel vampire. Priest King of Greatest Dynasty. Histoire de récupérer du territoire. Legions march. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Parce que je pourrais prendre facilement ça. Je pourrais prendre facilement ceci. Et même le pic noir, on va voir qu'est-ce qui se passe. Non, le pic noir ça va être compliqué. Ouais. Le col de la mort sera assez compliqué. Mais pas impossible. Ça aussi ce sera... Non, ça peut aller, ça peut aller. On your knees. Unliving. Mettre là toi. Your commission. Ah, ici c'est des murs qui me paument. My dynasty reigns supreme. Now we go. Summon them. I deem it. Toi, tu vas aller par là. Make way. Undying prince. Parce que là. Que cette armée a été anéantie. Ah, ça va être très compliqué, franchement. On s'occupe de tout ça. Ok, parfait. Putain, je me fais 20 000 pièces d'or par tour. Oh là là. J'aimerais bien que ce soit comme ça sur toutes mes parties. Bon. On va faire ça en dernier. I am ready. Move. I keep my own counsel. Ah bah, ils ont bien boosté leur... I serve king and patria. I reign. Bon, tu vas rester dans le coin. Legends. Ready? Order me. Toi aussi reste dans le coin. Tomb Prince of the Hecara. Toi tu vas monter plutôt. Hop là. The ultimate shrine. Parce qu'on va faire un truc. Allez, ça commence à se détériorer. On va faire. And pray to thine pitiful little gods, that they on va rompre le pape de non-agression. Non.
J'aimerais bien les inciter. Bow, welcome. Sit by my side and let us discuss mutually beneficial matters. Est-ce que darkness comes? Est-ce que greetings. Let me rid you of those corpses that crowd alors, eux, ils ont un... ouais, eux ils sont vraiment avec les vampires. Mais eux... Unstoppable. C'est quoi le territoire le plus important qu'ils ont? Ouais, Tempenwolf, ils ont rien du tout. Est-ce que je pourrais pas les inciter à rompre leur pacte avec eux? Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Yes. Nous, on s'entend très bien. Donc si j'attaque les vampires, eux, potentiellement, ils pourraient me suivre. Parce que eux, ils sont en guerre contre qui? Le chaos, les elfes sylvains, et après contre... D'accord. Les Lucas... Dane. Welcome. Alors, sit by rap, my side and let us discuss mutually beneficial matters. D'accord, ils n'ont pas de pacte de non-agression avec eux. Ils sont une alliance défensive avec les vampires. Mais ils n'ont pas d'alliance tout court. Ça, c'est intéressant. Ils ont une annonce des d'accord. Si je fais ça à ça, et que je leur offre beaucoup de pognon, est-ce que ça les intéresserait? Alors on va voir, on va monter genre 10 000. C'est bas. Je vais voir si l'argent peut les faire changer la vie. C'est très bas. 40 000. Ah oui, d'accord, ils sont bien amis avec... bien potes, hein. T'as même mon propos, ça, je fais ok, hein. Vas-y, hein, on rompt l'alliance. C'était pour tester. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Peut-être essayer avec eux déjà. Oh dear, that smells like grave rot, an unfortunate disease. Même si je doute qu'ils acceptent annuler. Non, pas moi. Alors. Ils vont faire pareil. Testons. Alors. Toc, toc, toc. Ah non, il y a un zéro de trop. Ok, ils vont enfin. Bon. Allez, tous vous faire voir. Saleté de vampire. On va aller botter le train à cette petite armée. Donc j'espère. Je vais faire le poids. We fight. Bon, allez. Vanquish the meddlers. Allez. Nagash. On va la faire. Ça nous fera une petite bataille. Ça fait longtemps que je ne me suis pas battu contre des pauvres et des hommes bêtes. Ça va changer un peu des nains. Et des hommes des arts. Ok, classique. Bon, faut pas sous-estimer, ils ont quand même de grosses bestioles en face.
Mais ça devrait le faire quand même. Donc, des orques noirs et des bestigors. Et un magicien comme chef. Ok, on va parier si ça veut bien. Ça va bien. Niveau 20, ok. Voilà, c'est quoi cette map? Ils ont beaucoup de cavalerie, ça m'énerve ça. Sanglier, araignée. Et des centigores. Ils ont ça aussi. Je suis légèrement en contrebas par rapport à eux. Super. Je vais m'éloigner un chouïa. Allez hop. Non. Ah zut. Allez. Comme ça, merci. On va mettre Nagash devant parce que Nagash c'est le plus beau. Vous. Ici. Vous, les petits squelettes qui servaient à rien. On va vous mettre là. Hop. Alors, eux, c'est perce-armure anti-large. Ce qui serait cool, c'est d'aller choper les gros trucs bien chiants. Et toi, t'es quoi, ton perce-armure? Ok. Je vais te mettre par là. On va vous mettre derrière, tranquille. Hop là. Ou ici. Parfait. On va regrouper ça parce que... On va laisser approcher. Faut que j'arrive à aller choper le bestiau derrière là. Qui est planqué. Il est planqué là, c'est super. C'est trop loin. Ouh, ça fait mal ça. Putain, il me balance des cailloux. Il me balance des cailloux. Attends, tu vas me viser quoi toi? Ça. Ils ont leur cavalerie en fond là et ça me saoule. Tu vas aller là. Il est où leur chef, il est là. Ah putain, il est trop loin toi. Aïe. Alors attendez. Toi, tu me tires là-dedans. Toi, tu vas me... Personne dans ça. C'est pas des anti-larges. Ok. On go 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 go, on va le choper lui. Nous on va se mettre comme ceci. Parfait. Il faut le choper le petit.
Vous allez me choper ça. Toi là-dessus. Attention, ici. Ok, Arcane, t'es où? T'es là. On va te mettre ça. Oh putain, on se prend dans le dos. Attends. Je vais faire pareil. Allez, salaud. Oh putain, ils ont morflé là. On va les aider, Ok, on est bon là. Non. Arrête, allez pas me faire n'importe quoi là. Allez aider ça. Tu me fais ça. On est bon. On va tirer là-dessus. Attention messieurs, ça revient. Ok, je vais perdre ma cavalerie. Je les ai perdus. Là-dessus. Il est où leur chef là? Il est mort? Il est mouru. Première vue. C'est bon, on a gagné. On va aider ça. Ils m'ont fait mal les salauds. Ouais, j'ai perdu ma cavalerie, forcément. C'est bon, c'est en train de partir. C'est bon, on a gagné. Ah oui, forcément, victoire à Pyrrhus, encore. Mais j'ai perdu mes deux cavaleries là. Et une qui a rien fait quoi. Ça s'est fait malmener. En même temps, il y a une araignée qui leur court après. Parfait. Bon, on va se faire enchaîner les âmes. Au moins, je vais récupérer un livre. Et une Nagash. Ça, c'est pour le héros. Si je poursuis là. Ah ouais. Ouais non. Attendez. Qu'est-ce que c'est de ce truc? Allons nous protéger à côté de nos alliés. Darkness come. This is my endeavor.
Parfait. Dark plans. Au moins, on a récupéré un livre. Eh bien, on va passer de tour. Maintenant, il me reste... Il faudra que j'aille choper celui-là. Il va falloir que je passe sur le territoire des hommes lézards. C'est super. Ils ont plein de territoires inoccupés. C'est marrant, ça. Il doit y avoir une armée du chaos quelque part. Parce que je sais pas où elles sont, mais... Le chaos a encore... Ouais, le chaos est encore en train de manœuvrer, genre... En train de se balader tranquillement. Mais je ne sais... Ah bah il est là. Ah oui d'accord, en plus c'est pas n'importe qui. D'accord. Et le chaos pourrait... Tu pourras pas aller... Poutrer des vampires, ça m'aiderait moi. Ce serait plus... Un peu mieux. Bon. Passons le tour. On va voir ce qui se passe chez les vampires. Les vampires qui viennent en masse dans... Oh mon dieu, cette nuée de morts-vivants. C'est Walking Dead. Ah, l'épée de canne a encore été pris. Ok, croissance négative. C'est bon, c'est bon. Et c'est bon. Ok, donc, normalement, toi... Je vais pouvoir te mettre une catapulte. Et je vais te mettre ça, tiens. Land of the dead. Ok. Find my harem. Stride. Ces deux armées, j'aimerais bien les utiliser pour aller attaquer Ultuan. Donc toi t'es en guerre contre tout le monde. Eh ben écoute, je vais laisser. Je vais te laisser. J'en ai rien à foutre de toi. Moi, je me tire. Salut. Je vais te laisser ici. Hein. Voilà, on va se prendre la tête pour chasser. J'ai ça aux autres. Critique. Oh là 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 là. Bring me flesh to craft. It is night. Oh là 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 là. Soon I'll be all powerful. Signe. Mais voyons. Protector of the oak. Mais les. Ouais, ils sont pas. Ils ont pris couronne et langue. Ils sont pas prendre à la légère comme les elfes sinon, parce que. Ils ont quand même des armées assez pétées aussi. Lady of the Glade. Et vu que j'ai fait paix avec eux, ils ont pu monter toutes leurs armées là-haut. Submit to your king. Address me as your highness. Ouais, alors toi. Find my harem. Legions march. Land of the dead. Is my throne ready? Tu vas aller là. Ok. Ultimate shrine. Address me as your highness. Ah oui, toi. Find my harem. Je vais mettre comme ça. Sentinel. My father demands it. Euh...
Advance! Son of Nehikara! Tiens, tu vas aller voir ce qui se cache là-dedans. Lady of Athel Lauren. Make way! I am my father's son. Tu restes ici. The greatest artist. Toi, tu vas aller là. Move, slaves. Open the casket of souls. Toi là-haut. Tellement de personnages. Ces deux armées là. Ouais, je vais les faire je vais les envoyer en industrie ces deux armées. Ou une seule suffira. Faut que je voie les forces qu'il y a là-bas. Et ces armées-là vont s'occuper du Tuan. Et t'as l'autre là qui est en train de se balader là-bas là. Il est passé où? Il fait le tour de la planète en fait lui. Armored in faith. Jean Dubin. Allez, dernier tour et on teste là-dessus. Je vais voir ce que font les vampires. Ouh, ça fait poutrer la figure l'armée là. En même temps, il doit y avoir une garnison assez conséquente. Oh alors, regardez-moi ces armées face à face. Une grosse baston. Bon là, forcément, elles n'ont pas pu résister. Que vont faire? Que vont-ils faire? Ils sont en train de reculer. D'accord. C'est pas bon ça. Ok, recruter une suivante char. Ok, bon, les chars on s'en fout. On s'en fout largement. Ça on verra ça plus tard. Ouais. On your knees. Toi je vais te mettre là. King of Tombs. Ok, parfait. My will be done. Ça c'est une armée de garnison, je la reverrai jamais celle-là au casse-pipe parce que elle va pas survivre longtemps. Find my heart. Et toi, on va te mettre ceci. T'es level 31. Toi. My glory. Non. On va te mettre ça. Find my harem. Land of the dead. Hop, tu vas rester là, toi. Et toi, tu vas revenir. Nous. Désolé pour votre territoire les gars mais... I ignore the critics. Clutix. You are not him. Ouais. Ça m'embête vraiment... sincèrement ça m'embête vraiment si les elfes se font anéantir par les vampires et c'est... jusqu'à en face ça pourrait grandement. Parce que là ils sont en train de se faire submerger. Impossible. Je suis Skyvans à côté. J'hésite vraiment à attaquer les vampires tant qu'ils sont pas là. Franchement, ce serait une chance d'avancer. Et parce que toutes leurs armées sont là. Bon, le problème c'est que si je me tape tous les vampires sur le dos, sur le rap, ça va être chaud. Et puis bon, j'ai envie de me concentrer sur les bouquins. Parce qu'il me reste plus que 3 à choper. Mais bon, on verra ça pour la prochaine fois. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu.
Bien sûr, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 2 avec les Rois des Tombes. Donc je vais un peu réfléchir de ce que je vais faire. De toute façon, la campagne, enfin la série, je vais pas je vais continuer jusqu'à choper les bouquins et après on s'arrêtera là. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long. À moins que y a un regain d'intérêt pour toute la série et que je me tape tous les vampires, mais je pense que cette série lasse un peu tout le monde, donc on va se limiter au livre de Nagash. On a déjà fini la campagne courte. Il ne nous reste plus que la campagne longue. Non, on a fini les deux. Campagne courte et longue, oui, c'est ça. Donc on a fini la campagne courte et longue. Les livres, c'était juste mon petit défi perso. Les vampires. Ça, peut-être que. Enfin, moi je continuerai peut-être hors caméra de mon côté pour voir où je peux aller. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Ciao tout le monde.